بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا زدنا من خيراتك مقدمتنا حبك، حب من أحبك، وكل ما يعيننا على الزيادة في محبتك. ربنا لا يمكن أن نتخيل أنفسنا خارج زمرة المحبين لك، ولا يمكن لنا أن نسيء الأدب في حضرتك، ولا نجعل أنفسنا محرومين من تقديرك حق قدرك. ربنا زدنا وعيا وزدنا تماسكا ذاتيا وجماعيا حتى نكون كصف واحد لإرائك ولتدمير كيان أعدائك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله. Aujourd'hui, nous allons voir un seul verset du chapitre de la lumière, un nom. C'est le verset 57. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahum an-nar wa labisa al-masir. Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Rahman Tout-Puissant Aziz, dit, il s'adresse à notre bien-aimé numéro 1 parmi les créatures, Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui et sur tous ses frères, envoyés et prophètes, que la paix d'Allah sont sur eux tous, sans exception, y compris Moïse, Pharaon et Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur tous. Là, car ça ne considère jamais un fait, lequel Al-Ladina kafaru mu'jizina fil ard, ne considère jamais que ces mécréants-là, ces ingrats envers Dieu, ces délirants qui nient qu'il y a un Dieu, parce qu'ils sont parmi les athéistes ou parmi les hypocrites qui disent que nous sommes croyants, tels que les sionistes, les gens de l'église, de n'importe quel genre d'église, ils disent nous sommes les croyants, nous sommes avant tout les enfants de Dieu, nous sommes ses amis ou les rapprochés de Dieu, nous sommes les élus de Dieu. C'est faux et archi-faux. Comment Dieu ordonne de faire le mal partout, à n'importe occasion, il faut détruire, il faut activer les coups d'état comme ça peut être. On vient de le voir en Turquie, mais ça a été un fiasco et a été la cause de déception de tous les commanditaires et en premier lieu les sionistes, les salauds. Ils vont être servis de la part d'Allah. Une frappe inopinée, une frappe surprenante et écrasante, inshallah. لا تحسبن الذين كفروا مد الفاء يدي كل شيء سالوا لا ميكروس بايا لا تحسبن الذين كفروا معجين الأرض ne peuvent pas fuir la puissance divine. Dieu, il est partout, il est plus près de nous que nous. Il est
qui vous fait de nous que la parole est mise et proche de la langue qui articule, etc. Donc, personne ne peut échapper à la au châtiment divin parce qu'ils ont bien mérité le coup d'extant. Vous avez tout fait pour être frappé par le coup divin. Et je vous rappelle les deux guerres mondiales. Il y a eu une première, ça a été une catastrophe effroyable. Une deuxième qui a fait beaucoup de dégâts aussi, surtout le temps matériel, culturel, psychologique, social, économique, etc. Mais maintenant, faites tout pour préparer une troisième guerre. Qu'est-ce que ça fait? Grâce aux vrais combattants, nous sommes. Et elle sera d'une autre façon. Déjà, je ne sais pas ce que vous avez préparé. Les scénarios, je ne sais pas ce que vous avez imaginé. Ce sera une guerre d'une autre nature. Et les prémices sont là. Qu'on fait chez vous, surtout vos militaires, les combattants locaux, la base militaire. Et qu'est-ce que vous avez eu comme attaque de l'émergence de Daesh? Ça, ce sont les prémices. Et à vous de imaginer le reste. Je m'adresse aux Arabes et aux non-Arabes, vous êtes dans le même sac satanique et vous avez un petit laps de temps pour changer d'avis de foi. Si ça ne sera pas fait en général, ce qu'on diagnostique, le pronostic, vous allez le plus chèrement parce que vous êtes des criminels de grande envergure. À la vue de l'histoire passée. Je reviens au verset 57 du chapitre La Lumière. La tachsabana la mina kafa. Moi, j'ai dit même pas. No escape. Personne ne peut fuir la domination divine. Personne ne peut fuir la supervision Allahique, c'est-à-dire Dieu et le. Voit-on l'explicite et l'implicite, le public et le privé, le manifeste et le latent, etc. Puisqu'il est le créateur, rien ne peut être fait, on dit, ou manigancé, loin de lui, jamais. Et la responsabilité attribué aux humains et aux djinns reste une responsabilité qui a ses conséquences. Qu'elle soit positive ou négative. Le sort sera une vie lamentable et effroyable au sein de la justice. Rappelez-vous le feu, qu'est-ce qu'il a fait ici, dans cette ville? Il a fait le coup. Pour cuire, pour former, pour aider les premières réactions chimiques. Mais n'oubliez pas aussi le côté négatif du feu. Visitez un peu les attitudes relatives au traitement de Dieu et vous allez comprendre un peu ce qu'il vous attend. Tant que vous êtes peuple ou leader, sur la mauvaise voie, vous serez le hôte de la géante. Vous êtes ici. Quelle mauvaise destination. C'est un séjour éternel où il y a toutes les douleurs effroyables. Il y a tout ce qui est horrible et funeste.
intercède-moi. Et n'oubliez pas, ceux, les vrais musulmans et musulmans, chez vous, en Occident, ou en Russie, ils attendent que, décidé par Dieu, pour frapper ce qui reste de votre transparence, ou une Europe psychologie dépressive, votre psychologie mégalomaniaque, votre psychologie délirante, vous ne voulez pas voir le danger à vous. Vous niez le danger alors qu'il arrive. Inexorablement, il va frapper. Parce que Dieu, il a voulu, comme il compose, et reste en attendant la réponse ultime. Mais c'est de l'élève capa. Moi, je dis la plus haute. Comme ou maintenant, ils sont destinés au feu qui ne sera jamais atteint ou apaisé. On a ou maintenant où elle est sur ma cible. Quelle mauvaise Dieu. Destination au salam ou à la minute.